Pour botter le cul des platistes et de leur appareil photo fétiche, le Nikon P900, une bonne fois pour toutes, j'ai fait comme à mon habitude. Je suis allé me tremper les pieds dans l'eau, dans l'étang de Berre cette fois, et j'ai sorti l'artillerie lourde. Le télescope Celestron C90 muni d'une Barlow. Le Celestron C90 est un petit télescope de type Maksutov casse-grain. Il est composé d'un miroir de 90 mm de diamètre dont la caractéristique est d'être sphérique. À l'avant, un ménisque légèrement divergent augmente la longueur focale de l'ensemble tout en donnant un aspect compact à l'instrument. La focale du C90 est de 1250 mm. Si j'installe mon appareil photo de type APS-C au foyer de l'instrument, le recadrage du capteur multiplie par 1,62 la longueur focale, soit une focale équivalente de 2025 mm. Ce qui est légèrement plus que le fameux Nikon P900, l'appareil photo adulé par les platistes, notamment par le miracle qu'il permet et qui est contraire à toutes les lois de la physique et de l'optique, faire réapparaître un objet disparu derrière l'horizon. Ou pas. Mais si j'ajoute une lentille de Barlow qui multiplie par 2 cette longueur focale de 1250 mm, j'obtiens au bout du compte 4050 mm, soit le double du Nikon P900 avec une qualité optique bien meilleure. Avec un tel instrument, le P900 est dans les choux. Et si la physique et l'optique platiste fonctionnent, je dois quasiment voir le bord de la Terre plate juste derrière la statue de la Liberté. Sur les bords de l'étang de Berre, je me suis installé sur la plage de Martigues et j'ai visé des bâtiments situés à environ 12 km de ma position, dont le bas avait disparu derrière l'horizon. J'ai pris une première photo aux 300 mm, soit 486 mm de focale équivalente avec mon APS-C. Si j'en crois les branquignoles de la Terre plate, une focale équivalente à celle du P900 va faire réapparaître les parties cachées par la magie de la perspective. Eh bien non. Ce que je vois au niveau de l'eau, avec une focale de 2025 mm, est rigoureusement identique à la photo prise aux 300 mm. Bon, mais si maintenant je mets la Barlow qui multiplie par 2 la longueur focale, soit une focale de 4050 mm, deux fois celle du P900, la perspective magique des platistes fait-elle enfin réapparaître le bas des bâtiments? Toujours pas. Je vois strictement la même chose. Et puis, pour le plaisir, juste pour le plaisir, je me suis déplacé un peu plus loin, à Ranquet. Dans une petite anse, j'ai installé mon matériel et j'ai attendu. Oh, pas très longtemps, car je savais exactement ce que je voulais observer.
Eh oui, à 17 km de ma position, cet A320 et cet A340 qui se posent sur la piste de l'aéroport de Marignane disparaissent sous la courbure de la surface de l'étang de Berre. À 17 km, en cette fin de journée bien chaude, donc avec une faible réfraction atmosphérique, environ 16 mètres disparaissent sous la courbure de la Terre, ou plutôt sous la courbure de l'eau de l'étang de Berre. Et si maintenant j'observe la piste de l'aéroport depuis la plage de Martigues, à 12 km, les calculs m'indiquent que je dois voir émerger nettement la dérive d'avions comme un Embraer 190 ou un A320. Et, éventuellement, je dois aussi voir le haut de la carlingue. Ce qui est exactement le cas. Voilà comment, en trempant mes pieds dans l'eau fraîche de l'étang de Berre, avec une observation empirique, répétable, mesurable, contrôlable, vérifiable, calculable. Merci Valdemar. Voilà comment j'ai enterré le Nikon P900 et la perspective magique des branquignoles de la Terre plate.